Elle viola d'enfant comme ça. Il a violé une petite fille. Il a violé une petite fille. Hé, Abidjan. Abidjan. Abidjan, Seigneur. Laissez-le, la police a déréglé son cas. Vous pouvez mourir dans ma main, oh. Laissez-le. Hey, donc, mes forces, vous voyez un peu ce qui se passe. J'ai dit, actuellement, là, tout est dangereux. Prions beaucoup aussi. Mais faites attention aussi. Voilà ça. Voilà un violet qui se trouve dans le quartier. Ça veut dire, tu le vois, tu le fais confiance. Tu vas dire le bon tonton ou bien le bon petit. Tout, il va prendre ton enfant, il va violer ton enfant. Franchement, faites très attention. Donc, s'il vous plaît, faites attention. Les gens sont méchants. Ils n'ont plus de cœur. Leur cœur, là, ça va être dans leurs fesses maintenant. Donc, s'il vous plaît, faites attention. Et comme on appelle, il m'envoyait, comme on appelle, une vidéo d'une petite fille de 3 ans même que je n'ai même pas pu la poster. Parce que moi-même, là, je viens même parler de la vidéo là, mais ça me fait toujours bizarre de parler de la vidéo. La petite fille, comme on appelle, sa maman, ils sont voisins avec un bon tonton. Et les enfants seront toujours joués sur le tonton. Donc, les parents ont toujours confiance à ce tonton. Et puis, il est tellement gentil. Donc, comme on appelle... Il y a un jour où le portable du tonton est tombé. Il y a quelqu'un qui a ramassé le téléphone. Il y a code dessus. La personne veut enlever le code. Il ne peut pas enlever le code. Alors que le téléphone aussi est déchargé. On ne pouvait pas appeler dessus pour dire à la personne, viens chercher ton téléphone. Donc la personne est partie charger le téléphone et puis il allait chez le réparateur. Ils ont enlevé le code. Mais quand ils ont commencé à fouiller dedans. Et puis le problème c'est que le réparateur, même c'était le voisin aussi de la petite, de la maman de la petite. Et ils ont vu que pendant ce temps où la petite partait chez le tonton, il prenait son kiki pour mettre dans sa bouche et puis il filmait. Il filmait. C'est lourd, non? C'est tellement lourd. Et c'est grâce parce que son téléphone est tombé qu'ils ont vu que le monsieur, il fait ça.